Le temps de la socialité, qui met fin provisoirement au temps de l'équinoxialité, c'est la reconnaissance d'un certain nombre de réalités que l'on a voulu nier. C'est le moment où l'on peut obtenir des reconnaissances, justement. On reconnaît qu'il y a eu des abus, des dénis, et qu'il faut rendre à César ce qui est à César, pour reprendre l'une de l'Évangile. C'est donc ce qui se passe après une période de 7 ans où l'on a voulu tout aplanir, tout niveler, arrive une période de socialité où tout d'un coup on rend à ceux qui sont au-dessus, qui sont à l'origine, ce qui leur est dû. Un cas intéressant, c'est le retour de De Gaulle en 58, 59, qui correspond au début d'une phase de socialité qui aura lieu en janvier 59, et où un personnage comme De Gaulle, un personnage qui a une dimension historique, retrouve sa véritable place, alors qu'on sortait d'une période de 7 ans d'équinoxialité qui marque la 4e République, notamment, qui avait commencé avant, bien sûr, et qui tendait à relativiser ou à mettre sur le même plan des personnages qui n'ont pas du tout la même stature. Mais ça vaut aussi dans le domaine familial, par exemple, où à un certain moment, en phase d'équinoxialité, on nie, on met sur le côté des personnes qui ont quand même une certaine dimension, et en phase de socialité, on est obligé de reconnaître cette dimension, cette intériorité et cette supériorité éventuellement. C'est ça qui est important. Alors pour continuer dans ce domaine-là, la socialité, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est celle, par exemple en 1989, où les États, avec leur propre histoire, ont revendiqué leur personnalité face à une période qui était le bloc, le mot bloc veut bien dire ce qu'il veut dire, bloc soviétique, bloc communiste, où tout le monde se retrouvait à peu près au même niveau. Et donc là, il y a eu un problème. Et puis, 30 ans plus tard, nous nous trouvons en 2019. Et là, il y a des phénomènes du même genre, mais nous sommes en plein dedans actuellement, qui sont censés se produire.